notre première course éliminatoire. Ah, c'est parfait! Bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue dans Cyberpunk, le futur! Encore une fois, le futur de Vili, avec toujours plus de plaisir. Oh. Salut à tous, bienvenue pour le Il faut vraiment qu'on avance dans l'histoire principale, j'en peux plus de ce flash à fond! Ah bah putain, je suis à peine connu... Allô? Salut, je crois pas qu'on se connaisse. Je suis Claire, tu te rappelles pas? La barmaid de l'Afterlife. Merde, je suis parti sans payer... T'as gagné une sacrée répute au bar. Il paraît que tu serais ultra fiable. Et il se trouve que j'ai besoin d'aide. Madame, je suis votre homme. Il me faut un pilote pour des courses de rue. Passe à mon garage et je t'expliquerai tout. Des courses de rue? Il est où ton garage? C'est où? À Arroyo sur Valley Street. Super beau spot, tu peux pas le louper. Ok, je vais faire de mon mieux. Si je suis pas là quand t'arrives, attends-moi. Je viendrai après mon service à l'after. Ça marche. À plus, Claire. Fantastique! Génial! La bête en bois! Let's go! Non, attends, ça c'est mon perso. Statistique, journal, carte. C'est où, 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 je voulais faire. Aujourd'hui, je voulais avancer dans l'histoire, je voulais faire des choses et tout ceci. Mais. Allez voir Claire dans son garage durant la journée. Durant la journée. Pas de problème! Attends. Personnage, inventaire. Statistique, navigation, personnage, journal. Il m'a même passé le temps. Comment on fait pour passer le temps? Il me semblait qu'on pouvait passer le temps. Sauf que comme je suis un sac à merde, je me souviens plus comment on fait. Ah, c'est là. Bah, très bien. Tiens, j'en ai. Puis, midi. J'attends 18 heures debout dans la rue. Sous la pluie. Let's go. Ok. Ah non, pas maintenant. Pas maintenant, pas maintenant. Avengers, où let's go. Ah, où est la voiture? Voilà, c'est bon, on y est. Let's go. Bonsoir à tous et bienvenue dans la suite de Cyberpunk, donc... Territoire rare nécessaire à la construction de la station orbitale Shiyu 2. Ouais. Les signataires ont également conclu une entente sur la libre circulation. Je m'en bats les couilles, très bien. Pour plus d'aventures de Vili, avec sur la radio... Victimus qui vient depuis d'autres épisodes vous envahir, car Vili est un grand fan de Victimus. Il a toujours aimé les reconstitutions historiques. Ce virage, cette conduite... Ça se conduit, ça roule avec Victimus. Putain. Ça racle, mais ça passe. Voilà, c'est Need for Speed. Mourrez-vous. Let's go. Ça roule. Oh, c'est pas mal ça. Eh, ça a du son. Let's go. On va faire des courses de chars, mon gars. On va violer la loi tellement fort. Ça va être un hentai juridique. Yamete, avocat-sama. Prosecutor Chan, let's go. Procureur Chan. Let's go. Ça, c'est vraiment le plaisir de Cyberpunk, hein. Conduire avec de la grosse musique en vue intérieure comme ça, moi ça m'excite. Je sais que pour vous c'est dégueulasse, mais moi les conduites en vue intérieure, même dans GTA V, c'est toujours du plaisir. Oh là là là.
Let's go! Attends, c'était quoi ça? Excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, monsieur, je suis curieux quant à votre voiture. Puis-je l'emprunter? Vous n'allez pas faire ça! Bonjour, madame! Oh, cette limousine! Ah merde, il y a le virage. Attends, ça passe? Ça passe de l'autre côté, on me dit? Très bien, ça passe de l'autre côté, let's go. Est-ce qu'il y a une meilleure musique? C'est pas mal ça. Let's go! Oh là 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 là! Le plaisir de vous retrouver sur Cyberpunk et de conduire à pleine vitesse! J'espère que vous êtes en train, je sais pas, de faire vos devoirs, de vous détendre, de vivre votre vie, de regretter vos choix de vote! Let's go! Oh là 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 là! On va faire des courses de voiture, je suis hypé! Je suis hypé! Je devrais pas être hypé comme ça! Ah non, un drone! Attends, je suis sur le lieu de la mission! Annule! C'est un lieu de mission, t'as pas le droit, c'est un lieu de mission, regarde! Allez, ma jolie! Voilà! Lieu de mission! Lieu de mission, ça veut dire c'est interdit. Hey, qu'est-ce que tu fous? C'est interdit, t'es un robot. Voilà. Mais excuse, ok. Très bien. Alors, voyons voir. Ah. Bonjour. Claire. Sous la voiture. Super caisse, j'ai envie de dire bof, hein. Mais bon, on va être poli. Salut Claire. T'es une sacrée caisse. Tu t'y connais et en plus t'as bon goût. Je te présente mon bébé, Beast. Si tu veux, il y a de la bière au frigo. Merci. Alors, pourquoi je suis là? J'ai besoin d'un pilote. J'ai pensé à toi. Quoi? Quoi? Tu veux dire je vais conduire cette poubelle? Oh, bon, ok, mais il me faut une tenue appropriée. Oh oui! Oh, le bandeau! Le bandeau Nippon Banzai! Le bandeau Nippo Ichiban, si tu veux. Japon première classe. Ça, c'est pas mal, ça, comme tenue énervée. Oh, les lunettes de soleil, ça me plaît. Ça, on a un vrai look. Pour le haut. Tigé par balle, non. Petite tenue comme ça, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ouh, là on parle, hein. Là on commence à discuter, hein. Merde, excusez-moi. Disais donc, là on commence à discuter. Quoique, attends, fais voir ça aussi. Oh la vache! Oh, c'est Akira, mon gars! Let's go. Un t-shirt en dessous, éventuellement. Ouais, bof. Non plus. Non. On n'y est pas. Toujours pas. Bof. Ouais, bof, tant pis. Bel essai, bel effort de ma part, mais malheureusement insuffisant. On a un point en plus à mettre. Réflexe. Comment c'est? Réflexe, ça s'est mis. 4 points d'avantage disponibles, on verra ça un autre jour. C'est sans importance, c'est bon, on est prêt. Et donc, je dois conduire cette poubelle? Un pilote? Et du coup, tu serais mon copilote? Pas tout à fait. Dans ce genre de course, il faut un pilote et un artilleur. T'es plutôt un as de la gâchette ou du volant? Je suis plutôt un as de la mécanique, à vrai dire. Et je sais tirer. Mais je suis pas un pilote de course. D'accord, bébé. Je t'entends. Aucun problème. Je rectifie mon équipement tout de suite. Voilà, je suis prêt.
J'imagine que tu te débrouilles derrière un volant. C'est pas ta première course, au moins. Hein? T'inquiète pas. J'ai l'habitude des circuits. Et ton dernier pilote, il a raccroché? On peut dire ça. Il est mort dans une course il y a un an. Ah, désolé. Ok, pas de problème, bébé. Je t'emmène au 7e ciel. Ok, Claire. Je vais être ton pilote. Ok. Il y a 4 courses. La première se passe au centre-ville. Après ça, c'est direction les Badlands, puis Santo, et pour finir, Watson. Ah, très bien. Et la récompense? Eh ben, tu vois... Et la récompense? Eh oh, t'es toujours en vie? Et la récompense? Il y a une récompense dans tout ça? Un petit pactole pour la première place. Si on gagne, on fait moite-moite. Ça te va? J'ai déjà la chair de poule. Moi, je veux bien faire moite-moite avec ton boule, hein. Tu peux avoir l'argent, si tu veux. Vu que c'est moi qui conduis, on peut utiliser ma caisse. T'es sûr qu'elle tiendra le coup? C'est pas qu'une question de vitesse. Faut qu'elle puisse encaisser, aussi. Détends-toi. Je conduis pas une poubelle. Ta voiture ou la mienne? C'est toi qui conduis, alors choisis. Oh boy! Oh boy! Oh bébé! Si tu savais à quel point ça m'excite! Ah, regarde mes tétons, comme ils sont durs! Regarde-les! Pardon, excuse-moi. On commence quand? Il y a des courses de qualification. Il faut bien se placer pour atteindre la finale. En quelle position? Il faut qu'on soit dans le top 3 dans au moins 2 courses. On se retrouve dans le centre? Je t'envoie les détails. Si jamais t'entends des moteurs overtunés, c'est que t'es au bon endroit. A plus, alors. Fantastique, fantastique, fantastique. Attendre une journée que Claire vous contacte. Bon, bah ça veut dire qu'on peut aller faire de la merde en attendant. Je récupère un peu de matos, ça traîne. Là, il y a un miroir, là, il y a une douche. Consommable, pas consommable. Et à côté, j'entends des coups de feu. Pourquoi les gens s'énervent? Oh! C'est quoi ces gens-là? Recrues, gang. Pas de justice, pas de pitié. Je suis la nuit! Je suis la vengeance! Je suis Skippy! C'est la première fois que ça m'arrive. Pardon, c'était gratuit. Ça, il faut pas tirer dessus. Salut. J'ai entendu parler d'un massacre dans un camp de sans-abri. Je t'envoie toutes mes infos, même si j'ai pas grand-chose. Mais je pense que t'auras compris qu'il s'agit d'un cyberpsycho. Ah, et essaie de pas le tuer. Ok, cyberpsycho repéré à 35 mètres. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ok, très bien. Pas de problème. Nouveau chargeur détecté. Message pour l'utilisateur. Merci, Chou. Portable. Alors, voyons voir. Un cyberpsycho, qu'avons-nous là? De la climatisation. Ping. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Je ne le vois pas. C'est une très mauvaise nouvelle. Ah, qu'est-ce que c'est ça, eh? Piratage rapide disponible. Un téléviseur, d'accord. Un sandwich. Raison du tir. Inconnu. Je sais pas pourquoi il a tiré, j'ai juste fait clic droit pour viser. Mais il a tiré tout seul, ok. D'accord. Parfois, Skippy tire tout seul, c'est son plaisir. Très bien. C'est quoi ça? Provocation. Ah, oh. Oh. La vache. Oh la vache. D'où Jésus? J'ai pas compris ce qui s'était passé. Mode aide. Mode amical. Ça. Ok. D'accord.
7 précis. Ah voilà. Encore le piratage, très bien. Le futur. Très bien. Ça déjà, ça c'est piraté. Ensuite, deuxième étape. Allez, je te vois. Lancer surcharge ou désactivation à distance, ça marche aussi. Prise de contrôle, ça peut marcher aussi. Ah! Bonjour, bonjour! Ça explose, ça? Ça explose pas, t'as de la chance. Je fais du dégât, hein. Par contre, je sais pas si ça le tue, hein. Donc elle, c'est une femme et c'est une hackeuse qui est cyberpsychotique. Question c'est, elle en est où? Suicide c'est pas mal, cyberpsychose c'est pas mal, court-circuit, réinitialisation système. J'ai pas assez de ping pour réinitialisation système. Non, c'est pas ce que vous voulez faire. Là, désactivation à distance. Ok. Maintenant que ceci est réglé, il suffit juste d'attendre poliment. Là. J'ai pas réussi à la choper. Ah ouais, ciao. Elle fait mal. Elle fait mal. Aïe. Tout va bien. J'ai pas réussi à la choper, j'ai pas été assez vite. Effacement de mémoire, je dois attendre encore 6 secondes. Et elle veut me hacker, très bien. C'est 7-6. Voilà, ça y est, c'est disponible. Allez, Madame Cosby, c'est fini. Là. Bonne nuit. Voilà. Eh ben, elle m'aura quand même donné quelques difficultés. Elle m'a surpris en fait avec ses deux tourelles Gatling out of nowhere qui veulent rien dire. Prise de contrôle, séchanchage, activation à distance. Fais voir. Elle est agressive ou pas? Non, elle est pas agressive. Oh, ok, d'accord, très bien. Bon, elle retourne. Ah, ça augmente mon piratage rapide, c'est pas mal ça. Voyons voir. Ah, déjà, madame, voilà le problème qui est réglé. Ensuite, combinaison de netrunner surcharge anti-alerte, d'accord. 17% de réduction de dégâts de piratage rapide. De l'argent, une couronne en acier au tungstène. Bon, bah écoute, j'ai tout pris, j'ai pas réfléchi. Salut Tony, tu peux m'envoyer le plus de cam s'il te plaît? Hier je me suis endormi dans la baignoire, j'ai dû me geler les doigts parce que je sens plus rien. J'ai scanné tous les repères de Valentino, ça je trouve toujours nulle part. On dirait qu'il a disparu dans la nature, pas de traces numériques, rien. Rien du tout, t'as vérifié à la maison de poupée, c'est pas facile d'infiltrer leur sous-réseau. Par contre, si t'attendais un peu, il viendra quand ça lui manquera, il aura peut-être besoin d'un peu d'indépendance. Et je t'avais prévenu au sujet de Valentino, ce sont comme ça. Un jour ils te déclarent leur amour éternel, le lendemain ils disparaissent sans amour, te laissant comme seul souvenir leur caleçon sale. Je te l'interdis de me faire le coup de je te l'avais dit. Tu me connais même pas et tu te permets de le ranger dans une case avec tous les autres. Et si tu veux tout savoir, il fait sa propre lessive. Bon, écoute, ses doigts sont morts, on dirait. Tu peux me trouver des implants organiques? D'accord. Calme-toi et repose-toi un peu. Je te trouverai ça, mais seulement si tu me promets que tu dormiras un peu. D'accord. Petite amie psychotique qui était vexée que son mari rentre pas tard le soir. Laissez-moi ranger Skippy avant que Skippy fasse une victime inutile, si tu veux. Alors, et contactons Tamara. Viens voir. Envoie un message. Putain. Je disais, c'est tellement pas intuitif ce système, hein, même après ce temps. La psycho était une jeune runner. Elle a dû faire une overdose et sortir au dernier moment par peur de pourrir toute seule chez elle. Un des clones du corps l'a recueillie, mais quand elle est revenue à elle, il n'avait plus toute sa tête. Elle a dû penser qu'on l'avait kidnappée, ou peut-être qu'elle penserait plus rien du tout. En tout cas, elle attend son traitement mystère. Voilà.
Ça va pas être facile de réparer le trauma qu'elle avait tué, mais je suis content que tu l'aies pas tué. Avec le bon traitement, elle arrivera peut-être à s'en sortir. Le trauma qu'elle a vécu, en attendant, les clodos, ils ont payé pour tous les autres, hein. Je veux pas dire, mais enfin. Tu me diras, c'est pas pour plus mal. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté? Vol, quelque chose est censé se trouver, voler et se trouve juste à côté. Et là, il y a une autre mission, mission secondaire, une activité criminelle suspecte. Oh là là! Du divertissement! De la stimulation! Vite! Hop là! Des gens! Ping! J'ai un boulot pour toi. Tu dois t'infiltrer dans l'usine Cytec pour y voler les projets d'une certaine Rihanna Kumar. Et la petite surprise, la cliente n'est autre que Rihanna Kumar en personne. Je devine d'ici la confusion sur ton visage et dans ta tête. Alors pense à jeter un œil aux infos en PJ. C'est vrai que c'est intéressant, voyons voir. Blablabla. Tu vas t'introduire l'usine de Cytec et récupérer les données de projets sur lesquels notre propre client maltraité travaille. D'accord. Ok. Bon bah elle s'est fait bolosser par l'entreprise capitaliste. Merde, trop court. Trop court pour l'amour. J'ai pas un véhicule pour aider avec ça. Bah tu viens? Oh le véhicule mais flemmard! J'adore les voitures dans le jeu, elles sont possédées si tu veux. Ça veut rien dire. Pardon. Ok. Ça va? Ça va. Ok. Shino! Samurai! Discrétion. Déjà, toutes les caméras de surveillance, elles sautent là. Le projecteur satisfait. Là, je crois qu'il y a absolument personne. Bonne nuit. Je m'en occuperai. Je te l'ai déjà dit. T'auras ce que tu veux. C'est une alarme. Ah ah. Ça fait des années qu'on bouffe même plus ensemble. Alors pour le reste. Ok. Je passe après le boulot. Et fais-moi plaisir. Mets ta petite tenue moulante. Oh là là. Ça s'offre tout. Ça ne se refuse rien, apparemment. Fin du ping. On reping. Voilà. L'important, c'est de garder une vision. Mode amical. Encore un petit mode amical. Voilà. Qu'est-ce qu'il m'a vu? T'es pas en mode amical, toi. Mode amical. Ok. Bonne nuit. Alors, infiltrons-nous. On peut pas monter sur le toit, donc.
Réinitiation à son juge, je pourrais le pousser à se suicider, mais c'est quand même un peu pété quand même. On peut attendre patiemment. Vert et translucide ici. Waouh, tout ceci m'a l'air excessivement dangereux. Machine nettoyage, non, tout va bien. Ça fait de l'expérience en plus de désactivation de caméra. J'ai repéré quelque chose! Sécurise le secteur! Vas-y, sécurise, sécurise. Hop! Voilà. Petite infiltration, tout est calculé, tout est calculable. On va voir qu'est-ce que c'est que ceci. Mode amical, déjà, toujours. Et ensuite, petit ping. De se repérer avec tous les symboles à l'écran qui apparaissent, mais ça me fait beaucoup penser à Deus Ex, hein, les vieux. Hop! Pas bien caché de toute façon, mais on s'en fout. Alors, là il y a la radio, on la désactive. Là, on peut pas fermer les volets, on peut pas fermer les vitres. Celui-là, il est en mode amical anyway. Là, il y a un gars qui traîne, mais il sert pas à grand chose. Somme toute, ça devrait être assez sécurisé. Il faut juste qu'on récupère les fichiers de données. Où sont-ils ? Ils sont dans cette pièce, cet ordinateur de contrôle le contrôle. Bah très bien, très bien, très bien. Pom 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 pom. Ça va vite. On se permet même de l'utiliser, tu sais quoi? Fichier, note personnelle. Maintenant, plus qu'à sortir de manière discrète, sans que personne ne se rende jamais compte de notre entourloupe. Ouh là là, attention, quelqu'un se rend compte de l'entourloupe. Idéalement, réinitialisation du système. Effacement de mémoire. C'est une blague ou quoi? Et voilà! Ouh, magnifique! Magnifique position, hein. Alors là, mec, demain, quand tu vas te réveiller, la petite sciatique, tu vas être bien. Tu vas être bien, tu vas être bien. Non, attends, pas par là. Je me suis perdu, c'est allé vite. Là, on sauvegarde un coup. D'où ce mec il me voit?
couché. La 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 la. Développe. Voilà, plus qu'à partir. Plus qu'à partir, si possible partir du côté. Oh, attends, il a lâché du bleu lui. Ah, un casque. Excellent. Distributeur de carburant explosif. Merde, je veux pas qu'il explose. J'aimerais ouvrir la porte. Là, il y a une alarme. En même temps, je peux sauter peut-être. Non, un peu court. Ah, encore un peu court. Ah, c'est bon, j'y suis. Ah-ha. Et voilà. Magnifique fuite de Vili. Tu allô vois, c'est après ce genre de taf que je me dis, putain, heureusement que je peux compter sur V. Continue comme ça, je clôt le contrat. Merci, frère. Excellent. Bon, toujours est-il que par contre, ça ne nous aide pas pour faire les fameuses courses de voitures qu'on voulait faire. Bon, là, il y a un crime juste derrière moi. Donc je vais le faire, mais... surtout qu'on a... une mise à jour. Cela peut prendre quelques minutes. Ah, merde. Pardon, madame. Hop là. Sauf que là, on va se permettre de tuer des trucs parce qu'on n'a rien tué de tout cet épisode, si tu veux. On a fait que sécher des gars, assommer une psycho et rouler. Et on n'a même pas fait la course. J'aimerais au moins terminer l'épisode en faisant la course. La course. La course, le vroom, les grosses voitures, le plaisir, l'ivresse. Bon. I go in, I go hard. Pourquoi ils sont déjà tous morts? Bah alors? Bah alors, qu'est-ce que c'est ce travail? Mais! Mais ça dit y'a du crime et... Ça dit y'a du crime et y'a personne! Mais qu'est-ce que c'est que cette journée calme dans la vie de Vili? Ça veut rien dire! Ça veut rien dire! Bon, panique pas, panique pas, panique pas, panique pas. Panique pas, panique pas, panique pas. Il y a plein de missions là, ça nous excite, on est bien. Là, il y a une activité criminelle suspectée. Ne perdons pas le. Ne sombrons pas dans le désespoir. Il est toujours techniquement possible de tuer des trucs. Non, c'est pas ce que je voulais. Elle est vendue. Oups. Hop, c'est un peu haut. Ça va. Tout va bien. Hop. Allez, let's go. Ok. Point. Dans l'univers dystopique de 2077, la magie passe par des drogues d'amélioration due. Cette vibration était fantastique. Et pourquoi ça tire? Qu'est-ce qui se passe? On se parle, ignorons-les. La loi, c'est moi! Et l'ordre! Toutes vos armes doivent être remises à Skippy! Vénérez, Skippy! Pour le syndicat! Pour les gilets jaunes! On peut facilement enlever les taches de sang avec du vinaigre. Avec du vinaigre? Intéressant. Grenade! Grenade disco! Excellent. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Plan de fabrication, marteau du camarade. Oh, mais il est sexy.
les armes. Où ça, où ça? Ils ont l'air de tous avoir été neutralisés. Encore un excellent travail de la part de Skippy. Et voilà. Désactivons toutes les caméras de surveillance pour gagner plus de points. Voilà. On esquive ça. On récupère ça. On récupère ça de tout. On récupère ça de partout. Double caméra de surveillance. Plus de points. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout, je crois que c'est tout. Victoire! Très bien. Voilà. Ah, il y en a une là encore. Hop. Là. Là. Me voici donc au calme. Voyez voir tout ce que j'ai récupéré. Parce que c'est bien, je trouve que c'est bien. On peut mettre un nouveau casque parce qu'on a une nouvelle casquette. Ou le casque! Oh oui! Oh, le casque de la cybervitesse! Magnifique! Majestueux! Oh là 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 là! Captain Falcon! Ouais, comme ça, c'est merveilleux. Ouais, let's go, hein! Let's go, hein! J'ai envie de dire que comme ça, là, c'est Captain Falcon, hein! Là, je suis un vrai pilote, hein! Mais la tenue quand même, histoire d'avoir un bout de couleur. Ouais, c'est rouge. C'est pas top. C'est pas top, c'est pas top. Oh! Oh oui! Oh, let's go! Alors là, imbloquable. Oh, encore plus imbloquable. 1100% imbloquable, je suis une magical girl. J'en ai rien à foutre. Alors ces chaussures augmentent ma vitesse de course, mais est-ce qu'on a mieux? Ouais, on a des bottes, hein, on a des bottes. On a les grosses boots, hein. Ouais, les grosses boots, hein. Mais avec ça, je suis un vrai pilote, hein. Je veux rien savoir. Attendre un jour que les courses soient disponibles. On attend un jour. Ouais. Oh là là, ça flex. Let's go. Ce perso de Baki. Ok, let's go. Pleine vitesse. Palalala, 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 la 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 la. Palalala, 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 la 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 la. Appelez Claire pour la course. Claire, tu viens? Je suis déjà sur place. Super, je me dépêche, promis. Ça roule, à tout de suite. Attends, quelle caisse on utilise? La mienne. Ça me va très bien. J'arrive, à tout de suite. S'asseoir sur le banc et attendre Claire. Attends, qu'on se fasse pas avoir. Ah, quoique, je veux voir si le jeu est bien foutu. Allons-y. Au revoir, on va voir. Ah. Voir si le jeu est potable. Ah ouais. Hé, hey, j'ai misé un paquet sur notre victoire. Alors pas question qu'on perde, ok? Mais non! Samson, regarde. De la chair fraîche. Ce serait la honte de perdre contre un bleu. Relax. Je parie qu'il va se foutre en l'air au premier virage. Madame, on dit se mettre au tas. Ou se passer le béret. Il y a même les flics! Oh, ce bébé! Ah! Ouais, non, c'est bien ce que je pensais. Ça utilise la dernière voiture. J'ai misé 110 sur toi. T'es au courant de ce qu'a fait Pete Samson l'année dernière? Ouais, ça utilise la dernière voiture équipée. Donc on va pas y aller avec la poubelle. Quoique, gagner avec la petite voiture. En vrai, j'ignore si c'est possible, mais ce serait incroyable. Parce qu'autant tu peux rider avec les grosses caisses, tu vois, y a pas de problème.
la Chillon Coyote, des trucs un peu énervés, tu vois. Autant... la Mai Mai, quoi. La Mai Mai. Ok, je monte un coup pour la confirmer. Voilà, le jeu la reconnaît. Impeccable. Oh, ça va être super. Oh, on va en chier, ça va être terrible. Let's go. Claire. Meuf, t'es où? Je suis déjà sur place. Super, je me dépêche, promis. Ça roule, à tout de suite. Attends, quelle caisse on utilise? La mienne. La mienne. Ça va très bien. J'arrive, à tout de suite. Alors l'important c'est qu'il y ait la bonne musique quand je monte dedans. Donc déjà on va mettre une radio. Alors. Non. Non plus. Écoute, on veut y croire. Ok, c'est Michel Vaillant, mon gars. Let's go. Let's go. De la fièvre? Quelle fièvre? Bon, bah... Hé, hey, j'ai misé un paquet alors. Sur notre victoire. Non, alors, non, pas non, question qu'on perde, okay, ok? Samson, regarde. De la chair fraîche. Ce serait la honte de perdre contre un bleu. Relax. Je parie qu'il va se foutre en l'air au premier virage. Madame, c'est bien trop bien me connaître. Cette poubelle... Oh, la poubelle! De ces bouffeurs de bitume, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je leur pisse dessus! Et moi, je pisse sur ton twin alors. Poussif! J'ai cru que t'étais nerveux. Oh là là! Et il est à qui, le suppositoire violet? Madame, vous êtes sûr que vous avez eu votre dose? Elle était au courant de ce qu'a fait Pete Samson l'année dernière? Pete Samson, le gourou qui fait la couverture du Time. Celui-là? Hein, tu veux parler de sa victoire en finale? Non, non, la première course. Little China, Kabuki et ligne d'arrivée à Northside. Ah ouais! Je sauvegarde, let's go. Les deuxièmes à celle-là. Messieurs, dames, j'ai une annonce à faire! Le mot important de ce soir pour vous tous sera presque! Vous allez presque gagner! Vous allez presque finir premier. Vous allez presque me vaincre. Vos parents sont presque fiers de vous. Allons-y. Salut V, contente de te voir. Eh bébé. Alors t'en penses quoi? Je te dirai ça quand on aura franchi la ligne d'arrivée. Si on arrive en un seul morceau. Hé, hey, concentre-toi sur la victoire. Ouais, je me mets le pied au plancher. Les flics de Night City disent rien? Ils voient plus les problèmes quand on leur met un gros sac dédié sous les yeux. L'argent résout tous les problèmes, pas vrai? Mm-hmm. Les accidents mortels sont pas punis dans ces courses? Les flics s'en foutent des morts. Ils font passer les données dans leur rapport d'accident. Une balle dans le crâne, ça peut passer comme accident de la route? Ça dépend dans quelle rue. Des conseils avant qu'on commence? Garde ton pied sur l'accélérateur. Mon boulot, c'est de ralentir les autres. C'est la vitesse qui nous fera gagner, pas la puissance de feu. T'inquiète, bébé. Et au plancher, compris. Oh, prends cet éclat. Il sert à quoi? Il t'indiquera l'itinéraire. Tu conduirais à l'aveugle, sinon. T'inquiète. On doit passer tous les points de contrôle, sinon on sera disqualifié. Je suis invincible en ligne droite. Je vais dans la caisse. Ça commence quand? Insère l'éclat, tout est dessus. Ah, c'est parfait! Dernier pari! C'est peut-être votre jour de chance! Voici notre première course éliminatoire! Vous êtes prêts? Prêts ou pas, de toute façon, c'est trop tard pour faire demi-tour! Attachez-vous!
ceinture, faites vos prières et foncez à toute allure. 2 1 Let's go. Full vitesse. Arrête de tirer sur ma voiture. Tu recules, tu recules. Ça roule, je t'ai dit que dans les virages j'étais imbattable. Ouais, let's go, hyper debout. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Putain, on est quand même. Putain, on est quand même devant deux autres caisses, hein. Avec la poubelle. Il faut absolument que je mette la musique de Mario Kart par-dessus. On y est toujours, merci pour le boost. Accélère. Pa-pa-la-pa-pa-pa. Voilà. Utilisation astucieuse des autres contestataires. Pa-pa-la-pa-pa-pa. Moitié de la route et on leur fait absolument aucun dégât, ça c'est le problème en fait, j'ai l'impression. Donc malheureusement avec notre vitesse actuelle on n'arrivera pas à les passer. Dommage hein, c'était un beau rêve. Accroche-toi. Aïe, chier. Ah non. Non, là je me suis mis mal là. Là je me suis mis mal. J'ai bien peur que malheureusement ça passe pas. J'ai bien peur que ça passe pas. Même la rubber band AI me permet pas que ça passe. Même le fait que je coupe m'aide pas à passer. J'ai peur que ça passe zéro. C'est dommage, hein. Et merde. Ça passe pas. Ça passe pas. J'ai peur, braves gens, que comme on dise dans le métier... C'est incroyable. Honnêtement, c'est dommage qu'on puisse pas faire ça en moto. Je me demande sincèrement même si c'est pas possible. Je vais essayer de voir. Regarde, on va appeler la moto. Voilà, la moto elle est là. Ensuite, on va appeler une voiture qui est valide. La Avengers, la VTEC, la Turbo Bleue. Ou la Coyote qui est un peu dégueulasse, mais j'aime bien, elle a une bonne tête. On va appeler la Avengers, tu vois, on va se la péter un peu. Voilà, la Avengers, elle est là. Et là, on reconfirme la Kusanagi, si tu veux. Si on peut faire ça en moto, ce serait exceptionnel, quoi. Ouais, non, brave gens, ça ne passera pas. Tu viens? Je suis déjà sur place. Super, je me dépêche, promis. Ça roule, à tout de suite. Attends, quelle caisse on utilise? La mienne. La mienne. Ça me va très bien. Voilà, ça ne passe pas parce que l'IA est en rubber band. C'est-à-dire que plus tu vas vite, plus ils vont vite. Moins tu vas vite, moins ils vont vite, en fait. Donc je sais même pas si c'est possible d'arriver premier, faudra essayer. Mais clairement, en fait... On n'arrivera pas à les passer avec ce petit moteur, il nous faut un vrai truc. C'est dommage, hein. Ça aurait été le clutch. J'ai misé un paquet sur notre victoire.
Alors pas question qu'on perde, ok? Ok. Et du coup, qu'est-ce qui est utilisé? Ouais, bon bah, ok. Ok, c'est l'Avengers qui est utilisé, pourquoi pas. Allons. Salut V, contente de... On doit... Tu peux ré... Ça commence. Ok, let's go. Bon, ce coup-ci... Dernier pari. Ça va pas être la même. Votre jour de chance. Voici notre première course éliminatoire. Vous êtes prêts? Prêts ou pas, de toute façon, c'est trop tard pour faire demi-tour. Attachez vos ceintures, faites vos prières et foncez à toute allure. Allez, un plus minable. Let's go. Bah ouais, c'est mieux hein, quand même. C'est quand même un peu mieux. Hein. T'en sors bien, mais continue. Je me porte pas la poisse. Ok. Adieu, minable. Ok, c'est bon. On a un peu de marge. On a un peu de marge sur la route. Alors du coup, ils vont accélérer vachement plus pour nous rattraper. Bon, on marque rien. C'est complètement ce qu'on appelle de la rubber band AI, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle caoutchouteuse en élastique. Serré devant. Accroche-toi. Ouh. Ah. Oh la vache. Oh la vache, ça c'est de l'accident. Le mec en face a payé pour tous les autres. Voilà. Ah, impossible de sauvegarder, d'accord, il faut la gagner en une fois sinon c'est mort. Pas mal. Pour l'instant on a une petite avance. C'est quand même plus facile avec un moteur en 200 cm3. Plutôt qu'en 50 cc, tu vois. C'est pas le seul truc qui est serré, t'as vu ta combi? Oh merde. T'as vu ma combi? Merde. Ah, j'ai raté mon virage de GTA, honte à moi. J'aurais jamais pris dans les RP de Zerator. Attention derrière, on cherche à nous rentrer dedans. J'aimerais bien voir ça. Ouais, c'est ça, vu la trajectoire que je me tape. Bonne chance. La trajectoire, c'est Joe Bartim. Bon, ma trajectoire est dégueulasse, mais c'est pour éviter d'heurter les voitures. Ouah ! Ouah ! Non ! Ah, c'est l'accident ! Ah non ! Tous les espoirs de la France ! Hey ! Oh, merci le jeu ! Tous les espoirs de la France ! Rien n'est désespéré ! Rien n'est désespéré ! Toutes les chances sont permises, tout est acceptable. Les voitures se sont littéralement arrêtées. On est revenu premier, on a l'étoile. Tu t'en sors bien, mec, continue. Je me porte pas la poisse. Oh là là, malgré un accident terrible, Hamilton finit premier. Les vainqueurs sont V et Claire. Quelle course incroyable. Faisons l'amour. On a gagné. On est en première place. Oups, t'as l'air surprise. Freine. La première place, putain. Je suis pas surprise, c'est juste que... Je sais, c'est la première place. Restons un peu sur la ligne d'arrivée, au cas où. Ça marche. Vous avez entendu ça? En japonais, V Sekaiichi. V champion du monde! Champion du monde! Alors, c'est quoi le 109 hein? Ah non, pardon, c'est pas vous, madame. C'était elle. Pardon. Excusez-moi, c'était très raciste de ma part, je suis désolé. C'est juste une question de code couleur. Alors! Qu'est-ce qu'on en dit, meuf, hein? Qu'est-ce qu'on en dit?
Ouf. Eh ben, elle a quand même pris du dégât la poubelle, hein. Tu te sens bien? Ça va, c'est passable. Tu participes à ces courses tous les ans? C'est ma 4e fois. La première fois, j'ai gagné. C'est comme une drogue. Je peux plus m'en passer. Oh. Tu peux pas ou tu veux pas? Qu'est-ce que ça change? Tu fais ça pour les Eddie? La victoire? La gloire? Pourquoi tu cours? On dirait que... tu vis que pour ça. T'aimes pas gagner, toi? Un jour, j'avais vu un vieux film, quand j'étais jeune. Et dedans, il y avait une leçon qui m'est restée avec toute ma vie. Regarde-moi. Pardon, excuse-moi. Toute ma vie. L'important, ce n'est pas de gagner, mais d'humilier. Bah, c'est le voyage qui compte, pas la destination. Alors fais-moi plaisir. Reste sur le circuit et devant les autres. Tu peux garder ton voyage et moi, j'aurai ma victoire. Ça va, c'était juste une question. Je te dépose au garage? Oh, faire enough. Ouais, carrément. Ok, en route. Ciao les minables! Vous étiez nuls! Nuls! Quelle régale! Oh là 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 là! Bébé, tu sais ce qui manque? Il manque un soleil couchant après une victoire pareille. Oh là là là! Je reconnais pas le quartier. Ah! C'est là, d'accord, très bien. Au revoir! Putain, j'hallucine, aucun respect. Le Squirt Inquisitor, ça, ce n'est pas le flingue qui jute. Twinkie Wonky, Yes Yes, Bouncy Bobby, Dipsy. Est-ce que c'est une référence aux Teletubbies? Pour l'amour du Christ. Pour l'amour du cyber-Christ. Bon, eh bien on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense qu'on en a déjà bien assez fait. On a vraiment fait n'importe quoi. Mais quel plaisir ces courses de voiture. Il faut qu'on teste avec d'autres caisses. Hein. Il faut qu'on aille voir s'il n'y a pas d'autres caisses à la con. Qui nous intéresse, tu vois. Il faut qu'on essaye de voir. Sinon, accessoirement, il n'y avait pas d'autres appartements. Je sais plus où est-ce que moi j'avais des appartements. Il n'y a aucun moyen de savoir où on se trouve. Bon, écoute, c'est pas grave. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode de Michel Vaillant. Je vous fais de gros bisous à tous. Et je vous dis à la prochaine. Avec toujours plus de Vili. Oh là là, mais il est imbloquable comme ça. Allez, zou.